Hey, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve à l'épisode 5 de la match 75.16. On va essayer de finaliser cette vidéo, la partie qu'on avait commencé. Donc, attendez, il n'a pas mis le jeu. Voilà. et on va directement poursuivre. J'ai même pas envie d'améliorer tellement l'équipe est bien. Et donc d'accord, on va essayer de terminer. Ouais, on va terminer, hein, on va enchaîner. Comme ça, on va voir le grand magister. Et moi, après, je vais essayer de faire d'autres vidéos en quinconce avec un autre jeu. Pour varier, parce que là, j'enchaîne beaucoup d'Iratus en ce moment. Donc, on va un petit peu changer. Alors, la quête. Vous vous êtes principalement concentré sur la gestion de votre campagne. Mais vous n'avez pas pour autant négligé notre développement personnel. Se plonger dans les arts sombres est passionnant. Et de nombreux pouvoirs restent à découvrir. Face à tous ces ennemis sains et en armure lourde, vous espérez et pensez bien approcher d'une découverte significative. Ok, donc c'est quoi les... Donc d'accord, ok, c'est quoi les trucs? Cela endommagera leur armure. Pas mal. Cela contrera leur protection sainte. Ok, c'est... Rien ne sera perdu ou gagné. Bah ouais, autant faire ça, ouais, je nique de la mana, c'est pas grave, je vais me régénérer en mana. Les ennemis perdent toute leur armure. Ah oui, carrément, toute leur armure. D'accord, ok, cool. Ah, déjà, il va y avoir un peu moins de d'élite. Parce que là, l'épisode d'avant, c'était full élite. Hein. Wow. Bon, on va essayer de rush un peu quand même. J'aimerais bien terminer un peu le... Iratus. Je commence à faire une overdose. Même si je kiffe ce jeu, je commence à faire quand même une overdose. Je vais pas vous cacher. Ah, ils ont plus d'armure. Bah, le jeu. Spam! Oh, il y a eu un petit lag. Il y a eu un petit lag là. J'ai même pas envie d'améliorer. Tiens! Bim! Ça, il a déjà plus de vie quoi. Ah oui. Ah ouais, tu vas leur tirer leur armure, c'est bon, ils sont finis les mecs quoi. Ok, on fait toutes mes parades. Bah, c'est tout le champion. Hein. Le champion est toujours aussi OP hein, en vrai. On va attendre. Comme ça, elle envoie sa flèche que je peux pas envoyer. Génial. On va l'améliorer alors. C'est moi ou... Ah oui, d'accord. Ok, j'ai pas les informations moi encore. Attendez. Hop. Ah, pour vous, ça change rien. Mais moi, j'avais aucune information en fait. J'ai un gros problème. En fenêtrie, en fait, ça permet de pouvoir capturer des images du jeu pour pouvoir les faire en vignette. Et là, je suis emmerdé. Parce que j'étais pas en train de faire mes vignettes. J'étais en train de jouer à ce magnifique jeu. Ah oui, c'est vrai que lui il devient de plus en plus résistant si je le bouge pas si rapidement. Aïe 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 aïe. Ça. Par la douleur. Lui qui stun, ça commence à me saouler en vrai. Tiens, ouvre ça. Grosse flèche, allez. Nice. Ta première erreur. Bon, en vrai là c'est assez simple. Oh, t'es sérieuse. Non mais sérieux, la vampire qui arrête pas de rater ses coups, je comprends pas. Pardon. Nani. Mais j'ai pris trop cher, elle m'a retiré trois quarts de ma vie quoi. Ah, le champion, vraiment. Il est horrible le champion. Non mais tue-le. Voilà, merci. J'ai bien qu'il a 40 d'évasion, mais abuse pas non plus, quoi. Abuse pas non plus. Putain, j'ai perdu la moitié de ma vie, enfin les trois quarts de ma vie avec la... Royaume éternel. Oui. On va poursuivre. Donc là, il y a des stèles à gauche. Non, ça sert à rien. Il y a des élites, j'ai pas envie de la réaffronter. On va chercher la quête, j'avais dit. Ouais, on va chercher la quête. On enchaîne. Alors le coffre, il y a quoi? Un lancette, ok, nul. Amulette du pouvoir. Amulette du pouvoir, tous les serviteurs ont peut-être plus 3 d'attaque et plus 3 d'effroi. Non. Les serviteurs subissent moins 20% de dégâts pendant les deux premiers tours de combat. C'est pas mal, si j'avais pas l'autre. Bon, en vrai, ça me sert à rien. Oh! C'est nouveau ça! Ah, c'est un des nouveaux que j'avais pas vu, que je connaissais pas. Il a l'air beau! Ah ouais, c'est Dieu, c'est ça, c'est Dieu, là, on est sur Dieu. En fait, c'est Dieu. Oh non. Vous êtes sérieux, là, les dégâts? Élémentaire de lumière. Ouais, magnifique.
En vrai, magnifique, rien à dire. Critique. Elle, on va la mettre en critique. Ok, cool. Ok. Nice. Elle va mourir. Hein. Ma veuve, elle va mourir. Elle va mourir, elle a trop pris cher. Ok. Non. Mais pourquoi? Pourquoi tant de violence? Corps faible. Ça va, j'ai encore un masque. Mais est-ce que j'avais tout pour la refaire? Est-ce que j'avais tout pour la refaire, la veuve noire là? Parce qu'elle a pris trop cher en vrai. Elle a pris tellement cher. Ok, lui est devenu costaud. Ok, d'accord, le prochain tour je l'ai fini. Je vais même tous les finir en un coup. D'ailleurs, la lance spirituelle, je l'avais retirée. Hein. Je m'en rappelle bien. Je m'en rappelle bien. Hop, hop. Aïe. Ok. J'ai compris. Non, mais merde. Oh là là, c'est pas croyable. Hein. C'est vraiment pas croyable des fois. Ok, parade, elle passe. Ok, le spicy passe. Génial. Quoi? Voilà, plus de dégâts. Je peux souffler. On va faire la veuve noire direct. Sachant que j'ai. Ah, j'ai le jeton, génial. Ok, nice. Merde. Merde. Momie, épouse, vampire. Et c'est la veuve noire. Je cherchais juste ce que j'étais en train de construire. Que je voulais construire. Donc là, on lui fout un nouveau cerveau. Donc un cerveau bien HL. Un petit 41. Non, 41, j'ai. Ah, 41. Voilà. Dans l'armure. Retour au combat. Ah, elle, c'est les dégâts. Ouais. C'est les dégâts. L'évasion. Un pouvoir. Parce que je crois que j'avais fait une erreur en plus sur elle la dernière fois. Donc j'attends des résultats. Ça me permet de pouvoir gérer mes erreurs. Compétences. Est-ce qu'on prend? Ah ouais, c'est gratuit ça. Ah oui, bah ça, ça n'est pas à chier. Et je mettais quoi sur l'autre? Attendez, je vais regarder juste mon autre veuve noire. Ok, moins 10% de dégâts. Ouais, ça, je l'ai. Ok, cool. Moins 10% de dégâts subis. Je crois que je l'ai, ça. Je l'ai, hein. Ah, sur moi. Oui, j'en ai, ouais. En plus, je crois que j'en ai. Je viens de le revoir, en fait, quand elle est morte. Les stats, on va remettre bah, tout ça. Nice. Ça fait pas mal, hein. Ça fait pas mal tout ça. On peut. On est de fou. On va mettre du violet. On va lui mettre l'armure. On va lui mettre ça, ça. Le cœur. Ça. Et ça. Et maximiser, Invita. Nice. Donc, plus que les armures à foutre à 10-10, ça devrait être pas mal. En stat, elle peut rien faire, de toute façon, hormis Vita. Non, c'était la chance ou c'était la Vita, elle? Je sais plus. Ou la précision, parce qu'elle rate tout le temps. Ouais, de la précision en vrai. Hein. Ouais, de la bonne précision, parce qu'elle rate tout le temps. Et de la vita. La stat, elle, on met quoi? De la chance? On a dit de la chance? Ouais, c'était de la chance. Et lui, c'était la momie, c'était... Ouais, c'était 18 et je peux pas le faire encore. Ok, on poursuit. Ok, membre du Cucus Clan. Oh, il y a un autre que je connais pas, en bleu. Ouais, lui, je le connais pas. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai même pas regardé si elle avait juste la... Ah, j'ai pas regardé. Oh, qu'est-ce qu'il fait, lui? Dégâts subis améliorés de 35%. Ah ouais. T'es comme ça, toi. Ah ouais. Alors toi, t'es visé, parce que vu que t'as pas le chevalier pour te protéger cette fois... J'ai vu me retirer sa chance, en fait. Moi, j'y pense. Je vais me retirer sa chance. Alors, j'espère qu'il va rater moins, hein, vu toute la précision que je lui ai mis en plus, là, à la vampire. J'espère juste que ça va pas rater moi. C'est quoi ce bouclier? Les personnages immunisés contre les dégâts et les malus. Oh. Sérieux? Mais c'est sérieux là? Action de la vie. Toujours plus dans l'excès, hein. Non mais le seul truc que je veux niquer, je peux pas le niquer parce que l'autre. Non mais ça c'est horrible là, lui là. Il est chiant en fait. Il est grave relou.
Oh, mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi elle rate tout le temps? Je lui ai augmenté sa précision. Alors je veux bien la 40 d'évasion, je sais. Mais pourquoi elle rate? Pourquoi elle rate? Meurs. Voilà. Bon, ça se passe, ça se passe. Ah, t'es baisé, il était tout seul maintenant. Hein. Ah ouais. Alors, je sais pas combien de dégâts ça fait, hein, mais j'ai pas envie de le savoir. Ça a l'air puissant quand même comme attaque, en vrai. Ça a l'air puissant. Talent. Ouais, y a rien, on va pouvoir continuer. Ah si, si, je voulais regarder un coup. Le Manorium, c'était lequel? C'était lequel que je voulais savoir. Ah, c'était elle. L'élémentaire de lumière. Alors elle fait un fiche de magie. Ok, tous les alliés de l'élémentaire de la lumière. Peut-être plus 2 de parade, plus 2 d'hospice au début de son tour. Oh. Oh ouais. D'accord. Revient à la vie avec toute sa vitalité. Donne un bonus de 2 tours. LOL. Ok, d'accord. Yeah. Ah ouais, l'élémentaire de lumière, il rigole pas. Hein. Ah ouais, l'élémentaire de lumière, il rigole vraiment pas, quoi. Faut vraiment le tuer vite, en fait. Ok, ça c'est quoi? Le serviteur est immunisé contre les malus, ok. Améliore de 15% tous les dégâts infligés, réduit de 15% tous les dégâts subis. Ok. Le serviteur a une chance de... Bon, ça, je... bon, on va prendre ça, en vrai. Ah, toujours plus. Réduit de 15% tous les dégâts subis. Réduit de 10%. Mais attends, 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 attends. Mais attends, c'est encore mieux que ça. Mais non, je vais pas attaquer avec elle. Ou à moins que elle peut... En vrai, ouais, mais non, je préfère avoir ceux qui niquent la parade. Ouais, on va continuer, on va continuer. Oh, encore un nouveau. Monsieur Moustachu. Il y a Monsieur Moustache. C'est Monsieur Moustache. Mon Dieu. Mais tellement, en plus. Il manque plus que la jambe de bois, quoi. On buff ça. Pardon? Obtient plus 25% d'attaque et plus 10% de chance après chaque tour. Se cumule. Retirez s'il se déplace. Fuis s'il est dernier survivant de l'escouade. Ok. Inflige 100% 46-51 de dégâts aux serviteurs qui tournent leur tour. Qui terminent leur tour, pardon. Ouais. Ouais. Mais à chaque fois que je fais une action, il fait un truc. Ah oui, non, d'accord. Ah oui, d'accord, oui, non. D'accord, ok, ok, c'est... Oui, ok. Ok, le relou. Le relou par excellence, d'accord, ok. Bah, tu vas venir là. Ah, mais j'aurais pu faire ça dès le début. C'était une posture qu'il avait. Ah, c'est une posture qu'il avait. Donc ouais, donc si je fais ça, il peut rien faire, quoi. Ok, les baisailles, quoi. Ça, je vais la refaire à l'arrière. Et grosse flèche. Nice. Pourquoi t'as raté? Nice. Lui, c'est sa posture qui est chiante, en fait. Reste devant, reste devant. Dis-moi bonjour. Nice. On remet ça. Putain, mais elle prend cher, hein. Oh, t'aurais pu le terminer, quand même, vampire. Oh, la vampire, elle me déglingue. Elle me déglingue, mon build. À cause de ses faits qu'elle touche jamais. Par contre, et toi? Lui, il est en train de devenir puissant derrière, par contre. Il commence vraiment à m'inquiéter. C'est bon, il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son du jeu. Attendez. Le son du jeu, il est où? Il est passé où? Putain, il est faible, hein. Je sais pas si vous l'entendez bien, mais... Je trouve qu'il est super faible, comme s'il y avait un bug. Par rapport aux effets. Enfin, bref. Bon, toi, viens là. Grosse flèche. Nice. Dans la vie, tu ne le sauras pas. Et toi, tu tapes. Nice. Ok, j'ai besoin de rien faire de toute façon. Ok.
Ah, mais tue-le. Il fait rien par contre. Il essaie de s'échapper, il fait rien du tout. Ok. Il a l'air relou quand même, lui. Hein. Il se fout plein de spies cette parade. Enfin, j'ai pas son jeton, je pourrais pas regarder, dommage. Il a l'air bien relou. Le truc, le meilleur truc, je l'ai à la fin, quoi. Mais bon, en vrai, avec tous les soins que j'ai, j'en ai même plus besoin. Et en vrai, le marteau, là, il est tellement mieux. Ouais, ouais, on va rester comme ça. Ah, j'ai pas mis son skin. Inadmissible. Voilà. La quête. Allez. Une armée de mortels. Une armée mortelle a besoin de nourriture pour survivre. Ce qui vous donne un avantage de plus. Vous trouvez un entrepôt sans défense et imaginez immédiatement plusieurs manières d'exploiter cette situation. Vous devez cependant agir vite avant le retour des cardes. Ok, d'accord. Alors, ordonnez à une veuve noire d'empoisonner la nourriture. Ordonnez à une âme perdue de maudire la nourriture, mais ça, je peux pas le faire. Cela prendra du temps, les gardes risquent de revenir. Prendre le temps de saboter les rations. Bah, on va prendre ça, hein. Ça mangera leur vitalité. Il perd 20% de vitalité pendant 2 tours. Ok, cool. Nice. Et bah, continuons. Continuons. Pas comme si on avait beaucoup de choses à faire. Ok. Ça, c'est vachement bien le marteau. Vous avez vu le nombre de parades et d'hospices qu'ils perdent. C'est juste taré. On buff. Le porte-étendard, il me fait peur. On va le remettre à l'avant. Elle, on aime en full soin. Et elle, on fait ça. Voilà. On est bien là. Nice. Et toutes les parades, ça c'est bon, ça. C'est bon. Voilà. Ah, je crois que c'est que ça. Pourquoi? Alors je crois que c'est que ce derrière soi ou c'est 50% des dégâts. Ah non, en fait c'est comme le golem de pierre, il a pareil que le golem de pierre lui. Okay, j'ai fait une erreur. Ouais, j'allais dire au moins un quoi. Au moins un. Parce qu'elle prend un peu cher la pauvre. Alors elle se re-soigne tellement. En vrai elle se re-soigne tellement que c'est même pas un problème. Hop, ça, on fait ça. On fait ça. On met ça. On passe son tour. On fait la grosse rose. C'est nickel. Je voulais quand même attaquer, mais au cas où qu'elle tuait pas pour avoir un finish him. J'avais pas lui le porte-étendard normal? Ah non, c'était l'élite que j'avais. C'était l'élite. C'est ça, hein. Attendez, je regarde. Ouais, c'était l'élite que j'avais. Là, j'ai le normal. Ok. Il me manque l'élémentaire de lumière d'élite. Et les deux lois que j'ai pas. Le moustachu. Monsieur moustache. Et puis voilà. En vrai, hein. En vrai, là, ça s'enchaîne tellement vite, quoi, que on peut vite terminer le jeu. Ah oui, et oui. Oui, le pire, lui. Oui. Enfin, le pire. Il y en a d'autres, hein, comme l'élémentaire de lumière d'élite qui est vachement plus fort, mais ça, ouais, ça c'est fanatique, c'est trop fort, en vrai. Putain, en 20 minutes, ouais, ça va peut-être pouvoir se faire. Non, l'erreur, oh, l'erreur du siècle, je suis vraiment nul. Je pue la merde, je pue la merde. Quand même, hein. Il fait mal. Toi, tu vas mourir. Ah, il rate pas, là. Bah, tu l'as, au moins. Mais quand elle rate pas, elle tue pas. C'est incroyable, hein. Ok, et toi, tu te régénères. Ok, nice. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Les dégâts de zone, c'est abusé, quoi. Ah, mais les dégâts de zone, c'est abusé, quoi. Juste parce qu'elle l'a pas tué, hein. Vous avez vu? Juste parce qu'elle l'a pas tué. C'est incroyable. Là j'ai pas mon. Bah ouais, j'ai pas la mise pour faire les dégâts. Bah alors là, si j'arrive à survivre avec ça. Je suis fort. Arrêtez de les rater! Il a même pas d'évasion! Vous êtes sérieux? Alors t'as 86 de précision, mais. Abuse pas, merde! Tu sais quoi, tiens? Voilà, tac. Comme ça, il y a une assurance. Oh là, ça va être horrible.
il est sérieux là? Il est sérieux là? Heureusement que je joue vite, hein. Sinon les parties elles duraient 3 heures une partie quoi. À réfléchir. Moi je sais pas, j'arrive pas à supporter les gens qui mettent 3 heures sur ce jeu à jouer un seul tour. J'ai vraiment du mal quoi. Alors je veux bien pour les nouveaux joueurs, ça me dérange pas, mais pour les gens qui ont l'habitude et mettent 3 heures à réfléchir. Je comprends pas. Voilà. J'espère que ça vous dérange pas que moi je vais vite. De toute façon, vous devez connaître. Au bout d'un moment, si vous êtes là, vous devez un peu connaître le jeu. Hein. Tiens, bouffe. Voilà, barrez-vous, cassez-vous. On vous a jamais aimé de toute façon. Un effort pitoyable de la part. Ah, j'ai ça. C'était le plus intéressant, ça. Quoique, non. Mais non, j'ai les 50%, c'est bon, je peux en refaire une. Attendez. Attendez deux secondes. L'épouse. Petite ellipse pendant que je fais ça. Ok les amis, c'est bon, j'ai fini tout ce qu'il y avait à faire pour l'épouse. Mais on va quand même prendre l'équipe de stress, un combat, le temps qu'elle se soigne. Ah, de toute façon, il y avait une fontaine là. Ouais, mais au cas où qu'on perde encore, j'ai pas envie de la perdre encore. Donc on va continuer et on va terminer ça. Ah, je suis trop pressé de voir le grand magistère, ce qu'il va donner. Ok, nice. Toi c'était comme ça. Ok, ça retire les hospices. Ah ouais, il a ça. C'est vrai qu'il a ça, il a ça, il a ça, le con. L'équipe de stress, elle aura bien servi au début de la partie. Et à la fin de game, c'est plus l'équipe de destruction qui aura fait le taf. Hein. En vrai. Après, l'équipe de stress, elle est là pour sauver un peu l'équipe de destruction. Par contre, les dégâts, les gars, faut pas abuser non plus. Je veux bien être gentil, tout ça, mais... Abusez pas, s'il vous plaît. Nice! Ils ont quoi? Non, on continue. On continue ça. Par contre, c'est ça qui est intéressant. Nice. Voilà. Alors, je sais que je me suis avancé d'une position, mais au moins... Ouais, mais non, c'est la momie, elle est... Ouais, non, mais non, elle a le masque, ça va. Elle a le masque. Putain, c'est fort. Quand t'as le gueule, la Banshee, c'est super fort. Kiff. Là, lui, on va le remettre à l'arrière. Elle, on la remet dans son petit cocon. Et ça, on fait ça. Nice. Ah bah là c'est fini. Là, c'est fini, ça va s'enchaîner. On va juste retirer le buff. Voilà, nice. Gros. Quoi? Mais sérieux? Mais je suis pourri jusqu'à la moelle, moi, hein. Débuff-le. C'est pas un débuff? Ah ouais, c'est vrai. Ok, c'est barré. C'est barré, je sais pas pourquoi il a voulu jouer avant moi, mais c'est barré. Yes, des deux jetons encore. Deux jetons que je n'avais pas en normal. Par contre, j'ai pas les versions élites. Mais eux, je veux juste voir ce qu'ils font, parce qu'ils font vraiment, vraiment mal. Hein. Lui, là. Un serviteur piégé reçoit un malus de 3 tours. Il subit 40% de dégâts magiques supplémentaires lorsqu'il subit des dégâts. Les ennemis attaquent la cible le plus souvent. Ok, d'accord. Ok, c'est un piège, en fait, ok. Donne un bonus de 1 tour. La cible devient immunisée contre les dégâts et tout effet négatif. Ok. Ok, c'est lui qui casse les couilles. C'est le fanatique hein, qui permet de rendre les unités hein, immortelles. Attaque magique. Ok, bon, ça va. Ah, sur toute une lignée, non, en fait, ça va pas. Sur toute une lignée, ça va un peu moins, quand même. Et lui, il avait deux trucs. La posture. Donc, obtient plus 1 de parade, plus 1 d'hospice. S'octroie un bonus jusqu'à la fin du combat. Les coups critiques infligent plus 50% de dégâts. Ok, ça c'est un problème. Ça, c'est vraiment le problème de ce gars, c'est ça. Par contre, la précision. Oh la vache. J'imagine même pas en éternité level 5 là. Hein. Posture de combat inflige 100% 37-41 de dégâts au serviteur qui effectue une action. Ouais. Ouais. Ah, on arrive sur le boss. Le boss final. Le magistère. Le grand magistère. Par contre, qui dit boss final, dit préparation d'enculé. Hein. Donc, je vais améliorer tous les trucs et je serai... Ah, j'arrive pas à finir la phrase. Je vais finir de faire toutes les pièces, améliorer toutes les pièces en version maximum. Et on se voit après. Allez, ellipse. Re, les amis, c'est bon, j'ai enfin terminé de faire tout ce que j'avais à faire. Donc voilà, j'ai tout maximisé, regardez, les pièces en full violet.
Avec leur système de merde avec la chance, là. Pour augmenter la chance, mettez une pièce commune, une pièce rare, un peu commune et une pièce rare. Ça augmente les chances pour avoir une pièce légendaire, en fait. Donc voilà. En gros, vous faites ça. Pour avoir des pièces légendaires, un peu plus de chance d'avoir des pièces légendaires, en gros, il faut faire ça. C'est vraiment, mais nul. Mais nul à chier, quoi. En fait, il faut... Par exemple, si vous avez... Bon, par exemple, faites ça. Vous avez 6,8% d'avoir une légendaire, ok? Si vous faites avec... si vous faites comme ça, ça reste le même, normalement. Non, 9,3%. Voilà. Si vous faites du full bleu, c'est 12,9, ok? Mais, si vous mettez une bleue et deux verts, ça fait 12,9. Ça change pas, ok? Mais si vous changez une vert par une commune, ça fait 16,2. Donc, en gros, il vous faut une comme ça, une comme ça, une comme ça. Donc, à chaque fois, vous faites comme ça, comme ça, comme ça, tout le temps. Et c'est vraiment pas amusant. Je vous jure, c'est super long et chiant. C'est fastidieux pour avoir la meilleure chance d'avoir une légendaire. Si je préférais largement l'ancien système où c'était deux pièces communes qui faisaient une pièce peu commune, deux pièces peu communes, et ainsi de suite jusqu'à légendaire, quoi. Donc là, c'est vraiment relou à mort. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce système, mais c'est très très chiant. Donc là, on va essayer de terminer ça. Alors, le boss. Oh, il a l'air tellement vénère. Il a l'air tellement vénère. Le roi, le grand magistère. Le pouvoir du grand magistère est sans égal. Et son cœur est de glace. L'accord passé avec les alchimistes nains le fut sous sa supervision et il causa maintes souffrances. Ok. Mais n'en perdit aucun sommeil, même à l'aube de sa guerre sans contre d'autres nations et races. Il a obtenu la guerre, mais pas celle qu'il recherchait. Iratus s'avérera être un adversaire malin et dangereux qui força le magistère à agir personnellement. Il a donc déployé tous les outils, les incantations sacrées et chaque moindre ressource de l'ordre à sa disposition pour mettre fin à l'ascension du nécromancien lui-même, avant qu'il espère d'être enfin adulé pour sa victoire. Un sauveur, un saint. T'es mort. T'es mort. Moi, je dis ça, il est mort. Il est beau gosse, en vrai. Ben, c'est quoi? Attendez. Chance de 50% de réduction sur toi. Ok, d'accord. Donc, tu peux pas perdre ses unités. Ouh, l'erreur. J'ai oublié de positionner mes troupes. Ouh, c'est pas bon, ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai branlé? Aïe, 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 aïe. Ok. Alors, c'est quoi son truc? Déplacer aléatoirement tous les serviteurs au début du combat. Je booste. Ah, je booste, j'en ai rien à foutre, je booste. Et elle a se fait comme ça. Ah, mais non, je les avais bien positionnés. C'est lui qui les a foutus en merde. Ne fuis pas. Ah oui, non, c'est lui qui les a foutus en merde. Par contre, là, c'est quoi ça? Le personnage immunisé contre les dégâts et les malus. Mais c'est quoi ça? Le début du prochain tour affiche 300 points de dégâts de serviteurs désignés. Quoi? Quoi, pardon? Non. Je retiens les parades. Aïe! Vite que je puisse me remettre. Aïe, 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 aïe. Non, c'est elle qui joue en premier. Mais non, mais c'est de la merde. Wow. Non, mais entre les deux qui se redirigent les attaques, c'est chiant. Ok, il y aura juste la flèche qui va permettre. Mais non, mais juste parce que voilà. Juste parce que c'était. Ok, vous voulez jouer à ça? Vous voulez jouer à ça? Ok. On va jouer à ça. C'est quoi? Inflige 8 à 18 points de dégâts deux fois à la même cible. Réduit de 1% la consommation de mana. Inflige 10-18 de dégâts physiques aux ennemis en position 1 et 2. Deux fois à la même cible. En vrai... Quoi? C'est de la merde. C'est juste de la grosse merde. Et toi, bouffez cette flèche. J'espère juste qu'il réanime pas ses collègues, hein, parce que ça va pas le faire.
On en a... Ça va vraiment pas le faire par contre, Sireni. Par contre, on va lui retirer toute sa chance. Ah bah alors là, c'est lui qui prend toute sa chance. Nice. Ok. Putain. Il m'a foutu dans la merde dès le début quand même. Hein. Mais non, mais pourquoi c'est elle qui joue en priorité? J'en ai mire. Toi, tu bouffes. Toi, tu bouffes. Et vous bouffez tous. Tiens, d'ailleurs... Voilà. Nice. Par contre, il va... La grosse... Ah oh là 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 là. Il one-shot le con. Mais non. Pourquoi lui? Vers un allié. Ah, redirection vers un allié. C'est pour éviter qu'on le focus, d'accord. Tiens, tu bouffes. Tiens. Oh, tu vas bouffer. Oh, tu vas te prendre tout dans la gueule, Magister. Kiff. T'as moins de chance tous les tours. Tu prends des flèches, mon gars. Par contre, l'avoir. L'avoir en éternité 5, lui, je veux même pas savoir. Tu vois, je veux même pas savoir. Cible invalide. Ah oui, non. Quoi? 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 Il y a une deuxième phase, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Ah, c'est une blague! C'est une blagounette, il y en a un qui se cache dans un coin. Mais lol! What? What? Mais quoi? Mais c'est sérieux? Oui. J'ai pas le choix de toute façon. Ok, ok, lui on retire toute sa parade, tout ça on fait ça. Elle, tac. Et c'est quoi aussi, j'ai pas vu, est-ce qu'il a changé un truc lui? Oh putain, il a changé un truc. Non, mais non, mais non, mais non, attendez, attendez, deux secondes. Faut pas que j'oublie les trucs à faire quoi. Alors attendez. Obtient plus 10% de dégâts jusqu'à la fin du combat lorsqu'un allié est vaincu. Réduit tous les dégâts subis de 10% jusqu'à la fin du combat lorsqu'un allié meurt. Oh là, ce cumul ne peut pas être retiré. Oh, le mec, quoi. Ah oui, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Ah, il fait des trucs en zone maintenant, c'est plus un seul unité. Une seule unité. Aïe, 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 aïe. Tiens, bouffe. J'ai oublié de faire mon pouvoir, c'est pas grave. Si, c'est grave. Il faut pas le dire. Oh, vive la momie, vive la momie. Hein. Tiens, bouffe, quoi, bouffe. Lui. Ouais, bien sûr, lui. Hein. Mais le problème, c'est que si je tue ses alliés, il va être buff. Et ça va être plus compliqué à les tuer. Ah, la momie qui sauve la vie, hein, là, pour l'instant. Tiens, bouffe. Tiens. Oh, il va augmenter ses dégâts. Ah, là, je vais bouffer trop cher, là, parce qu'en plus, si c'est un truc de jeu... Ok. Ok, d'accord. Ok, il est chaud patate, le mec. Bon les amis, après moult essais, j'ai enfin peut-être trouvé une technique. C'est comme vous pouvez voir, les dégâts de l'épouse d'Iratus sont en train d'augmenter. Je vais essayer de one-shot le boss. En gros, je suis en train d'augmenter ses dégâts avant sa deuxième phase. Comme ça, je pourrais la finir. Sont une source sûre, je pourrais le finir en 2-3 tours. Et ce sera pas plus mal, quoi. Donc là, je suis obligé d'attaquer quand même, mais normalement, ça devrait se faire. À voir. Voilà, là, j'augmente encore. Encore et encore. Tant qu'elle est pas à 300, j'augmente. Et on va voir si ça fonctionne, parce que là, je suis lessivé. Ce boss, je m'attendais pas du tout à une deuxième phase. Et on est en normal. Bon, je vous dis, hein, ça change pas vraiment du difficile, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois. C'est surtout quand je pense que moi,
je suis en éternité level 5. Et que maintenant, pour terminer l'éternité level 5, pour passer à l'éternité level 6, je dois battre celui qui a deux phases. Je sais même pas comment je vais faire, pour tout vous dire. Je sais pas comment je vais faire, bordel. Bon, j'espère juste qu'elle aura le temps de bien se buff la titine d'épouse, là, parce que... Avant que je le bute... Après j'ai ça hein. Ça c'est cool hein. Je sais pas du tout comment l'avoir facilement en fait. Je vois même pas comment un deck, hormis, enfin un build un deck, un build, hormis le bazooka, et encore le bazooka faudrait l'avoir en deux fois, en deux phases. Donc même le truc du zombie marcherait même pas. Si, même s'il fonctionnerait encore aujourd'hui, il fonctionnerait même pas parce que ça perdrait trop de temps et le zombie il mourrait très vite. Donc là, ouais, je suis vraiment inquiet comment je pourrais l'avoir en éternité level 5. On va faire ça, tiens. Et on va faire ça. Alors pourquoi je fais ça? C'est juste parce que... Est-ce que le fait de les tuer en crise cardiaque, ça... Ouais, bah non, c'est une... après c'est une entité divine, quoi. Ouais, c'est le problème, après c'est une entité divine, quoi. La force par la douleur. Ça, je vois pas du tout comment je pourrais faire, quoi. C'est ça qui est ouf, c'est que je vois pas du tout comment je pourrais faire. Là, j'augmente les dégâts petit à petit de l'épouse. En espérant atteindre les 500 assez vite. Mais je vois pas du tout. Là, elle fait son taf pour l'instant. Pour une fois. Pour une fois que la vampire fasse son taf. Je suis à 260-265 de dégâts physiques avec l'épouse. Je sais pas si vous vous en rendez compte à quel point je suis obligé de faire des trucs comme ça pour pouvoir gagner. Oh, putain, et le moment que je veux pas qu'elle fasse des coups critiques, elle fait des coups critiques. Parce que ouais, j'essaie de gagner du temps en fait là. Hein. J'essaie vraiment de gagner du temps pour pouvoir le one-shot direct avec tous ces sbires. Et encore, ces sbires, faut vraiment pas qu'ils soient super forts et je peux même pas debuff ce qui va se buff. Enfin, le bordel, quoi. Le bordel. Yes. Tiens le coup encore. Ok. La meilleure technique, hein, c'est bien se buff. Bien se buff et se préparer au tour d'après, quoi. Putain, pourquoi j'ai fait ça? Aïe. Bon, ok, dernier buff. Dernier buff et après, on lance la phase. Bon, allez, j'y crois. Allez. Moi j'y crois. Vous y croyez? Je crois pas. Allez! Vas-y! Allez, je suis chaud. Ok, t'as bougé tout le monde. C'est pas bien. C'est pas bien du tout pour moi. C'est même la merde. Mais on va pas le dire. Donc, déjà, on te retire tout. Ok. Maintenant, elle, on passe son tour. Lui, il vient là. Elle, on passe son tour. Et elle revient à l'avant. Ok. Elle envoie sa grosse flèche. Ok, nice. Maintenant, elle peut faire ça. Elle peut faire ça, qui peut être bien casse-couille. Genre pour lui. Ok, bah c'est lui qui a pris. Bon, c'est pas grave. Aïe. Ok, ils sont de nouveau dans leur position. Ok, c'était le principal. Maintenant... Allez, vas-y, que ça marche, j'en peux plus, là. J'en peux vraiment plus de ce combat de merde. On retire ça pour remettre plus de vie. Ah, putain, comme par hasard, il y a tout qui rentre. Panique. Un peu panique, là, pas mal de panique, même. Non, on passe le tour. On met le cocon. On fait ça. Ouh, yes! On réduit sa chance. Ah putain, c'est lui qui a touché. Non mais arrêtez. Oh, les dégâts ils sont monstrueux. Ah oui, j'ai une idée. Coup critique assuré. Tu as combien? 305%. Oh, tu me le one shot. Non, pas lui. Pas lui, pourquoi lui? On réduit sa chance. Ok, il fait plus coup critique. On tape.
Ok, on met cocon. Aïe 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 aïe. Non, merde, comment je vais faire? On retire les flammes. On retire les flammes. Ok. Elle, on l'avance. On fait ça, on avance. Ok. Maintenant, elle, on fait pareil, on l'avance. Comme ça, elle revient en troisième position, l'épouse. L'épouse, elle fait ça. On met en critique assurée et elle fait un gros coup. Oh, yes! 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 J'ai horreur. Oh! Les plantes s'en servent dans le... Oh, oui! Yes! J'en pouvais plus! Ah, j'en pouvais plus! Oh! Oh là 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 là! Oh! Oh mon Dieu! Grand Magister! Eh, hey, montre-moi tout! C'est la version normale! Oh, la version normale! Au début de son tour, inflige 300% de points de dégâts physiques au serviteur marqué. En gros, il faut une classe qui permette de détruire leur niveau d'attaque. En fait, c'est ça. Il faudrait que je trouve un groupe qui permette de leur réduire leur point d'attaque. Tout en faisant des dégâts, bien entendu. Ou juste un ou deux serviteurs qui permettent de réduire tous les dégâts d'attaque. Et moi, je fais que les dégâts derrière. Que les dégâts de base. Mais je crois pas qu'il y ait de serviteurs qui puissent faire ça. Et le magistère en maître doré, quoi. C'est le même. Ah non, c'est pas les mêmes pouvoirs. Ouais, c'est pas les mêmes trucs d'attaque. Alors, premier d'attaque physique, c'était 50% de points de dégâts 3 fois. Régénère 100% de dégâts infligés en vitalité et santé mentale. La cible perd 2 d'armure et 2 de résistance. Ok, c'est vraiment horrible. Hein. Et elle, c'était quoi? Inflige 50%. Tatata, c'est la même chose que l'autre. Sauf que là, voilà. Retire tous les bonus des cibles. Inflige un malus de 2 tours. Les cibles subies infligent. Putain. Les cibles infligent 20% de points de dégâts en moins. Les cibles subissent 20% de dégâts supplémentaires. Posture au début du tour. Au début de son tour, inflige des dégâts égaux à la rage d'Iratus. Oh putain, sa mère, d'accord. Donc si vous avez plein de rage, lui, il vous défonce. Ok, d'accord. Le Grand Magister inflige 2% 1-1 de dégâts magiques pour chaque point de rage. Eratus perd toute la rage obtenue. Oh là là, il était horrible ce boss. Il était horrible. Bon, je coupe la caméra, voir s'il y a une nouvelle cinématique, quoi que ce soit. Ah. Désolé de vous avoir fait attendre. J'ai dû massacrer quelques milliers de sacs de viande en armure sur le chemin. Mais, vous comprenez. Après tout, comment pourrais-je oublier mes ennemis adorés? Je pensais organiser une petite fête après ma victoire. Et je suis donc venu vous donner vos invitations en personne. Vous qui vous êtes autrefois opposé à moi et m'avez enfermé, vous m'appellerez désormais Seigneur. Obéissez! Qu'est-ce que cela veut dire? Beau travail. Oh! Toute vie renferme un potentiel de corruption. Et lorsque celui-ci grandit trop, seul l'avatar de la mort peut procurer un antidote. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Cet ordre, autrefois si noble, est devenu un poison pour l'âme et un fléau pour la terre. Maintenant qu'il n'est plus, la vie peut reprendre son cours. Retrouvez votre tombe. Votre travail est terminé. Vous me refusez mon royaume légitime? Votre royaume sera un lieu de paix. Votre nom sera honoré et craint jusqu'à ce que votre présence soit à nouveau nécessaire. Acceptez mon offre, nécromancien, ou résistez. Votre destin est déjà écrit. Le destin, hein? Oula. Croyez-moi, les nécromanciens connaissent bien le destin. Voulez-vous savoir ce qu'est le destin? La mort,
la fin inévitable vers laquelle tout se précipite. Et surtout, les idiots moralisateurs qui s'imaginent m'utiliser. Je ne suis le pantin de personne. Je suis le marionnettiste. Et dans la mort, vous danserez tous au bout de mes fils. Oh, il rigole pas, Iratus, hein. Il en a rien à foutre, hein. Bon! Et ben voilà! C'est fini! Tout est bon! Et ben voilà, tout est bon! Et ben j'espère que ça vous a plu! J'espère que ça vous a plu en ma compagnie! Ce nouveau gameplay, enfin ce nouveau gameplay, cette nouvelle mise à jour, la version complète du jeu, est prometteur. Alors je sais pas s'il y aura une suite par rapport à des nouveaux étages. Par exemple, là par exemple, il allait combattre quelqu'un d'autre, par exemple. Là il avait une cible en tête, avec un fouchant de la mort qui était derrière lui. Ça peut donner pas mal de choses. Attendez, je vais couper le jeu parce qu'il gueule encore. Mais en gros, là, ce serait vachement cool que ça puisse se poursuivre, hein, d'autres nouveaux étages et tout ça. Surtout que le jeu est long. Hein. Juste pour faire les 5 étages, ça te met... Bon, moi, ça va, je mets 4 heures à peu près, je pense, à faire les 4 étages. Les 5 étages. Et encore, quand je suis en œuf, 2h30, 3h, quand je suis tout seul, quand j'enchaîne sans parler. Donc bon, ça va. Mais pour les nouveaux joueurs, ouais, je pense que là, vous avez pour 8-10 heures pour faire juste les 5 étages, quoi. Et encore, juste pour le niveau normal. Vous imaginez après que le niveau difficile et tout. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vais peut-être m'arrêter un petit moment sur Iratus Lord of the Dead. Hein. Ça fait un moment que je suis dessus. En tout cas, portez-vous bien. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Xana. Bisous. Tchuss. C'était un plaisir d'avoir fait ce gameplay avec vous.